Bonsoir chef Ten, bonsoir chef, je suis le chef Désiré et ce soir je me permets de vous entretenir un peu sur un thème qui est d'actualité surtout pour des unités comme la meute. Si je vous dis le jeu, vous me direz les louveteaux, les enfants. Effectivement, tout ce qui est jeu va en adéquation avec une unité qu'on appelle la meute. Les louveteaux aiment beaucoup jouer. Ce que vous devez savoir, c'est que le jeu n'est pas seulement une manifestation distractive, non, loin de là. Au travers du jeu, il y a un enseignement, il y a une leçon qu'on peut communiquer à l'enfant. Du coup, au travers du jeu, on peut éduquer. Alors j'aimerais bien ce soir vous entretenir sur un thème qui est tout à fait simple, l'éducation par le jeu. Les chefs que vous êtes doivent savoir que, en plus de jouer, l'enfant apprend. Parce que le jeu a un peu comme une leçon de la vie active, mais qui n'a pas de professeur. L'enfant, en jouant, il s'auto-instruit. Il apprend en même temps, sans besoin de quelqu'un pour lui dire « voici comment ça fonctionne, voici comment on fait ». Non, non, l'enfant lui-même, en jouant, découvre les règles de la vie, découvre certaines règles qu'il va pouvoir mémoriser et plus tard répercuter dans son quotidien. Également, il faut savoir que en jouant, le louveteau fait du sport. On dit un corps sain a besoin d'un esprit sain. Si l'enfant joue avec son intellect, il joue aussi avec son corps. Donc de façon harmonieuse, son corps va se développer. Lorsque le corps de l'enfant n'est pas en mouvement, cela se répercute négativement sur sa santé. Donc jouer pour l'enfant, c'est apprendre et c'est aussi développer son corps de façon harmonieuse. Aussi, on va dire que l'enfant, avec certaines stratégies dans ce qu'il fait au cours du jeu, forme son esprit. Lorsqu'il faut, par exemple, cacher un objet pour que notre enfant puisse le retrouver, c'est toute une stratégie qu'il faut pouvoir mettre en place. Et l'enfant va utiliser sa réflexion, utiliser son esprit pour trouver des techniques pour dissimuler, pour cacher, pour masquer, pour voiler. Ça aussi, ça forme l'esprit de l'enfant. Et puis, au travers du jeu, il y a une certaine solidarité qui va se développer avec l'enfant. L'enfant sait qu'il doit collaborer avec telle personne, tel enfant, tel autre enfant, pour atteindre l'objectif final qui est la victoire. Et aussi, si vous permettez que je puisse encore compléter, c'est pour dire qu'en plus de s'amuser au travers du jeu, l'enfant apprend au travers du jeu. Et l'enfant aussi peut, d'une certaine manière, développer des acquis psychologiques efficients et efficaces pour sa bonne croissance. Mais il n'y a pas que l'amusement. Si un chef de meute, il n'y a pas que l'amusement. Il y a l'instruction. Il y a le développement du corps physique, le développement de l'intelligence et puis le développement des réflexes. Je me permets de vous dire que au travers des jeux, le jeune louveteau va acquérir de nouvelles habiletés, il va développer de nouveaux intérêts, il va apprendre à respecter les règles, il va apprendre à s'habituer à l'honnêteté. Parce que lorsqu'un enfant est en train de jouer, il évite de tricher pour ne pas qu'on dise que sa victoire est négative. Donc l'enfant déjà apprend à être honnête dans sa victoire. Et si jamais l'enfant est malhonnête, le chef de meute va systématiquement l'interpeller pour lui faire comprendre que quand on joue, il est préférable de gagner honnêtement sans passer par la fraude. Donc, en jouant, l'enfant développe des habiletés qui, même si elles naissent dans le jeu, finiront par réapparaître dans son comportement social. En apprenant les règles du jeu, l'enfant apprend les règles de la société. Le chef donc qui anime le jeu devient un peu comme la conscience morale qui va dire à l'enfant ce qui est validé, ce qui n'est pas validé, au même titre que la loi qui régit le comportement de l'individu dans la société. Voilà, je ne vais pas être long pour ce soir. Juste un aperçu. Qu'est-ce qu'il faut retenir? Lorsqu'un nouveau se met à jouer, il joue pour être éduqué. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.